nouvelle qui vient. Ta résilie à la... Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission religieuse Dévotion pour Christ. Une émission de témoignages aussi édifiantes les unes que les autres de personnes qui ont décidé de se mettre au service de leur prochain. En le faisant, ils suivent ainsi l'exemple du Christ qui a donné sa vie pour sauver son Église. De telles actions ne doivent pas rester inaperçues. C'est pour cela que Dieu lui-même a inspiré cette émission pour édifier son peuple. Dévotion pour Christ aujourd'hui s'appuie sur la parole de Dieu en Job chapitre 6, verset 27. Et je cite, « Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. » Comment comprendre spirituellement ce verset biblique? Pour répondre à cela, nous recevons deux personnalités qui sont connues pour leur dévotion au service de leur prochain. À ma droite, nous avons M. Salomon Kofi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Esther. Alors, vous êtes président de l'ONG Espoir pour l'orphelin depuis 5 ans et prophète de l'Église Onction Divine depuis 3 ans. C'est bien cela? Effectivement, je suis président de cette ONG. Cela fait 5 ans déjà. Et ça fait 3 ans que j'ai reçu l'appel de Dieu pour être prophète. À ma gauche se trouve Madame Tindon Nafiasou Anne, épouse Brown. Elle est assistante sociale en Angleterre où elle a ses études. Fondatrice de 3 orphelinats en Côte d'Ivoire et auteur de l'œuvre romanesque autobiographique Anne l'orpheline. Elle fait partie des figures emblématiques qui volent au secours de l'orphelin dans le monde. Elle-même, selon son œuvre autobiographique, Anne l'orpheline, est orpheline depuis l'âge de 1 an. Madame Tindon, bonjour. Bonjour, maman. L'orphelin, c'est notre prochain qui n'a pas demandé à être orphelin. On ne doit donc pas demander qu'on l'aide avant qu'on l'aide. Donc, aidons-le comme nous le pouvons et aimons-le comme nous nous aimons nous-mêmes. Merci Esther de me passer la parole. C'est avec angoisse et amertume que j'évoque ce témoignage de ma propre vie. Qui malheureusement et certainement est la vie de nombreuses personnes, des enfants, sans voix, hélas, qui souffrent dans leur peau et dans leur âme. La mienne a pris par la grâce de Dieu une tenue heureuse. Mais je ne serai jamais heureuse tant qu'il y a des enfants et que je ne puisse les aider. C'est toujours avec fierté que je la rends. Alors mon histoire, c'est celle qui a été abandonnée par son père et que la mort l'a privée du sein de celle-ci pendant qu'elle était encore nourrissante.
Dépêche-toi, hein! C'est pas qu'elle m'énerve. Elle m'énerve de. La café va venir laver mon dessous. Je suis fatiguée de cette vie. Ah.
Moi, mais les petites filles sorcières comme ça, là, mais je ne sais pas pourquoi elles traînent dans la cour ici. Ça, là, ce sont des véritables sorcières. Aidez-moi. Aidez-moi. Faut porter mon nom là-bas. Vieille sorcière. Mon amour, est-ce que nos jumelles ont mangé? Non, ça ne saurait tarder. Ah, ma fille, ma raison de vivre. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle attend? Je ne sais pas. Anne, tu vas pas à l'école? Je n'ai pas encore mangé. Manger. Tu penses que quand nous on partait à l'école, on nous donnait à manger? Toi, qu'est-ce demain? Qu'est-ce que tu feras pour moi? Les ingrates comme ça, demain c'est pour nous oublier. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école même? Va à l'école maintenant. Pas déjeuner. Regarde comment elle va là-bas, on dirait un singe. La mère de ma maîtresse était une dame riche et généreuse. Quand elle a su pour ma situation, elle a véritablement prié. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a trop dur, ma fille? Je souffre. À mon âge, je souffre. Ma fille, tu calmes. Tu sais, ma fille, quelqu'un t'aime et peut t'aider. Oui, vraiment. Il s'appelle Jésus. Jésus, il est, je veux le voir. Tu le verras quand tu voudras. Mais pour le moment, sèche tes larmes et dis-moi ce qui se passe. D'accord, madame, je suis une orpheline. Ma mère aimait que j'avais
peine et je ne connais pas mon père. Il a abandonné ma mère quand j'avais un an. Le papa de ma maman l'a chassé avec la grossesse. C'est comme cela que ma maman s'est retrouvée chez sa grande sœur et son mari. Après ça, moi, je suis restée jusque-là avec ma tante. Courage, ma fille, ne pleure pas. Notre Dieu est le Dieu des orphelins. Il va t'aider. Pour le moment, laisse-moi t'accompagner à la maison.